C'est quoi le Icos Avedia? C'est le nouvel item support. Et en fait, c'est un peu comme Mandate. Sauf qu'en plus, maintenant, si tu, quand tu tapes quelqu'un qui est marqué... Non, c'est plus complexe. En gros, tu le charges, l'item a deux charges. Et à chaque fois que tu tapes quelqu'un, il gagne une charge. Et la prochaine fois que tu shield ou tu heal quelqu'un, ça heal bonus en plus. Ok? Tu suis jusque là? Le truc, c'est que... Il n'y a pas de CD. Contrairement à Mandate. Du coup, les gens jouent H. Écoutez bien. La technologie est sombre, mais réelle. Les gens jouent H support, Font of Life, et du coup, à chaque fois que quelqu'un va auto, une personne qui est slow, c'est-à-dire par les auto-attaques, les W et l'ulti de H, il va proc Font of Life, du coup ça va le heal, et du coup ça va proc les échos, et ça va lui donner les... À chaque auto, le mec va proc les échos, et se heal des échos, et à chaque fois que H va auto quelqu'un, ça va recharger une charge. Donc, en gros, H est le perso le plus broken du patch à ce niveau-là. Et attendez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça, c'est uniquement les échos. Mais maintenant que Mandate n'est plus une légende mythique, Mandate est légendaire. Du coup, tu cumules à Mandate et les deux ont la même interaction. Et attendez, c'est pas fini. Si tu fais les deux items et les bottes de CDR, tu as 2,5 secondes de CD sur W. C'est très, 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 très con. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que comme H, elle a un reset d'auto sur le Q, c'est-à-dire que tu peux recharger l'écho ultra facilement, et le W va charger pour chaque cible touchée. Non, c'est fini, là, c'est fini. C'est bien, du coup il met une auto sur moi au lieu de la wave. Voilà, encore une fois, du coup j'ai le push. La lane est pixel. La lane est vraiment super pour le coup. Ça va slow push vers nous. Sur un timing où j'ai pas de flash, c'est vraiment huge. Alors, no flash, no ghost, no heal. Très bon trade. Il va bientôt perdre sa forme de sniper. Et la Lulu a pu shield sur plus de la moitié des dégâts. Bon dodge. Le Rengar est top, on peut faire ce qu'on veut sur la lane. Pardon ? Le chien récupère. Le chien récupère, il a son flash. Comment ça, il meurt pas? Est-ce que ça met Lulu par contre? Bah, moi j'ai. Lulu, c'est un lane bully, hein. Là, ce que fait la Lulu, c'est normal, hein. Déjà, faut savoir que. Zilean, c'est un gros creep. Mais Lulu, c'est un lane bully. Hein. Attends, on va juste réduire un peu la wave avant de go in. Oh, le crit là, 15%. Il perd le canon. Oh, on a pas besoin de push. Hein. On a déjà le contrôle du Drake, donc on a la pris au mid. Et on a un contrôle complet de la bot lane. On a pas besoin de push. Là, on push. On push parce que du coup ils ont l'info que Shen était bot. Notre Shen est niveau bientôt 6 et ils ont l'info qu'il est pas encore 6. Ok, il y a un petit 30 CS lead of bot. On prend juste l'info.
On va voir les Sans River qui nous attend à la base. Hein. J'ai jamais acheté avec ces golds 1250 ces pixels. On va en faire une wave. Ok, kill au top, c'est huge. Et du coup, on perd une plate au mid sur le Victor, c'est pas dingue. Ah ouais. Normalement c'est une tour gratuite. Lulu et Codelia doivent aussi être OP même si c'est moins que H. C'est probablement ok ouais. Ah ouais je pense que Lulu est un des meilleurs abuseurs de Shurelia du jeu donc ouais, on va les top. Allo, let me top, qu'est-ce que t'as pas compris dans let me top. Et lui il est pas en 4 pour rien hein. Mais on va pas prendre les plates à 3, ça n'a aucun sens! Je le savais! Je le savais! Je le savais! On les connaît les joueurs de Rengar! On les connaît! Le Shen Jungle Air Steel me termine. Alors t'en es bot hein pour le Drake. Oh FF. Ok. Ils perdent beaucoup en vrai. Il y a nos flash Victor du coup. Ça commence à me fatiguer de trade. Sums, là j'ai envie de prendre des kills là. Nickel. Je reste collé aux chaînes pour qu'ils bloquent les autos si jamais. Il y a un bleu là. Je vais aller refaire une wavebot. Ok, 3 minutes sur Drake, on est fine. Je pense qu'on va jouer topside maintenant, il y a l'Herald qui spawn. Ouais, je suis tellement fit, je vais faire une cape de crit. C'est beaucoup plus de DPS que faire des épées longues là. Malfi. Malfi. Bon, ça me mettrait trop bien qu'il utilise la wave. Je respecte énormément. Je respecte énormément. Giga Chad. Par contre, faut push après en fait. Faut pas juste taper une wave et flash en fait. Faut push derrière. Qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce qu'ils me font? Je me balade comme s'il y avait pas de Rengar en face, ça me met très bien. Non, non, j'ai peur. On va juste Herald. Je suis pas serein là. Je vais Herald top hein. J'ai Kaldric dans 2 minutes. Oh, j'ai eu l'ardente. Pixel. Non mais. Il revient me raqueter mes golds de tour. Aïe. Mmh. Oh. Ah mais le problème c'est que Victor c'est une bonne réponse. Le Victor First Strike est une trop bonne réponse à... Je sais pas si le flash lui sert à quelque chose en vrai. Oh! Après là il est en train de marcher vers le J je crois. Ah non le J c'est mort. Il fait quoi le Shen? Et ils sont en train de forfun ma game là en fait. Comment ça vous faites le Nash? Je m'en branle. Je préfère trade Nash et menacer la soul. J'aurais dû insta condamne, j'ai hésité. Après, il gagne. Oh, j'ai l'impression qu'il se met bien quand même. Hein.
Ah mais je pense pas qu'il gagne. Là 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 là. Ah mais c'est un débile, il aurait dû quitter vers la Lulu. Ouah, ils sont en train de l'astrophide. Il meurt pas, hein. Ah, il meurt pas. Mais il vote FF en plus derrière. En mode, son vote est justifié, là. Mais la Syndra, vraiment, il tient son rôle de gros fils de pute jusqu'au bout. Ça fait plaisir à voir, en tout cas. Non mais c'est infernal. Bon, on va juste reculer. On va enlever la plante. Un temple raid. Bon, je suis content qu'on menace la soul parce que... on reset là-dessus. Tu sais quoi, on est à un stade où la game, j'ai l'impression qu'elle va se finir à ce nombre d'items, donc... je pense go red pot. Merci pour la soul. Faut continuer par contre, hein. Je sais pas pourquoi on recule, y'a plus du tiringa en fait. Pourquoi on recule? On prend le bot, hein. Mais y'a personne pour répondre aux mines en fait, faut répondre aux mines. Et ils me suivent partout sans aucune compréhension de la map, ça me termine. Ok, y'a 18 secondes encore. Jace est bot. Je perds pas mon shield, c'est huge. Et normalement on a juste le Drake tranquillement. Non, seul. Bon bah ouais, PGG. Ah, sous les stacks est trop importante. J'ai mal joué. Ça me met très très bien. Oh, Malphi me met très très bien. La rouladine. Non, la roulade n'était pas le problème, c'est après. C'est après la première roulade. Bon, j'ai quelques items, j'ai pas d'excuses. J'ai un petit peu d'AD. Je suis à 60% de crit en plus. Ouais, voilà, je suis à 477 d'AD. Quasiment 500. Faut aller top là par contre en fait. Nage dans 40. Nice, no flash, ici. Ok, on peut juste les pressurer, on les garde là et on force again. Il faut qu'ils défendent leur base, hein, ils ont pas le choix. Hein. Ouais, ils sont obligés de défendre la base en fait. Et là on prend nage. On la pixel. Macro game. Et là on va tout stop. Oh, et en plus il trade kill. Hop. Mais bien. Y'a le Victor qui va pop. Faut qu'on attende la... Yikes. GG. Bon, j'ai bien fait de retag au final, c'était cool la game. La Lulu, elle a vraiment joué parfaitement. Bah, elle a compris que j'étais la wincon en fait. Et du coup, elle a juste joué autour de ça. C'était...
C'était tout ce qu'il fallait faire, donc ça fait plaisir. En vrai, elle était chirurgicale, ça, là, ça fait plaisir. J'ai fait une erreur, en vrai. J'ai fait une erreur quand je suis mort et que... En vrai, c'était même pas une erreur. La Lulu a ulti trop tard, et quand j'ai flash le Rengar. Vous savez, en top lane, là, j'aurais pu pas mourir. J'ai pris un laser de trop de Victor. Même si Lulu aurait pu me sauver, j'ai pris un laser de trop. On peut avoir des alliés ou...